vous êtes complètement taré ou quoi? Pardon? Sortez immédiatement du véhicule. Quoi? Monsieur, vous êtes entré sur la principauté de Shulkek et il y a des règles ici. Si on les respecte pas, on a affaire au shérif et il se trouve que le shérif, bah c'est moi. Le shérif? C'est quoi, le Far West? Mais ça va pas, non? Non, ça va pas, non. Non, ça va pas. J'ai peur pour Marco. Besoin de renfort pour refus de port de palme. Terminé. Okay, attendez, calmez-vous. C'est quoi ce délire? À moins de 5 mètres derrière vous, vous avez passé le panneau « Bienvenue à Shulkek ». Vous savez lire? Vous l'avez lu? Vous l'avez lu? Non. Eh ben voilà. Alors, monsieur... Monsieur? Le sol. Quoi? Lucas, le sol. Ah. Alors, monsieur Lucas, le sol, sortez immédiatement de vos chaussures ou je vais devoir verbaliser. Attendez, vous avez des palmes? Non. Il est paumé. J'ai peur pour Marco, renfort annulé, je passe à l'hôtel, terminé. Allez, vous inquiétez pas, on va vous trouver ce qu'il vous faut. Bon, on n'est pas compte, hein. On est à moins de 15 km de la côte. Et avec le réchauffement climatique, les experts sont formels. Le premier tsunami, il est pour nous. Et les chiffres ne mentent pas, hein. 100% des victimes d'un tsunami ne portent pas de palme. Alors, j'ai créé cette loi. Faites la brasse. La brasse, ça va pas faire la brasse ou quoi? Oh là là. Vous savez quoi, le sol? Je viens de vous sauver la vie. Allez, vous inquiétez pas, on va s'occuper. Vous allez voir, au début, on se dit... Attendez-moi là, j'en ai pour une seconde. Et voilà. Comment vous avez fait ça? Hein? Vous... Et puis... Ah! Shepper! Le shérif Shepper, c'est mon frère, on est jumeaux. C'est pour ça. Ok. Puis il va falloir vous habituer parce qu'ici à Shulkek, il y a que des jumeaux, des triplés, des quadruplés ou plus. Alors... Bienvenue au Shulhotel. Que puis-je pour vous? Marco pour vous servir. Alors justement, vous pouvez peut-être m'aider? Voilà. En fait, je suis à la recherche... Excusez-moi, je suis fatigué. Non, non, mais c'est pas vous. C'est parce qu'ici, il n'y a que les appareils filaires qui fonctionnent. Soit disant qu'on est sur une faille éclectique. Géologique. Je crois pas, non? Si, si, une faille géologique, c'est possible, ça dérègle les champs magnétiques. Vous dites carrément des phrases qui veulent rien dire, quoi. Vous n'êtes pas d'ici, vous, non? Non, mais je suis géologue. Cardiologue. Le métier, c'est cardiologue. Géologue, ça n'existe pas. Bah si, c'est mon métier. Vous êtes cardiologue? Géologue. Bon, écoutez... Ah, je suis à la recherche d'une jeune fille. Vous avez peut-être entendu. Je sais pas. Elle est peut-être passée dans la région il y a quelque temps. C'est ma fille, Alma. Elle a 16 ans. Là, c'était il y a 2 ans. Elle a dû changer depuis, mais. Peut-être, je sais pas. Ça vous dit quelque chose. Alma, oui, je vois très bien, oui. Pardon? Où ça? Vraiment? Vous l'avez vu quand? Ah non, mais je sais pas. On rappelle des gens, pas de leur emploi du temps, hein. C'est pas pareil. Et elle était où? Là, avec un type. Quoi? Qui? Lui? Elle était avec quelqu'un qui ressemble à ça? Ah non, mais il est très mal dessiné, ce portrait, là. Ça vous rappelle quelqu'un ou pas? Ah bah, je sais pas, faut tout reprendre, là. Déjà les yeux, le regard. Alors, attendez, si vous dérange pas, je reprends un peu tout ça. Tac, tac. Le regard, l'œil, la pupille qui brille, c'est hyper important. Voilà, tac. Les naseaux. C'est les narines. Les animaux ont des naseaux, ça me fait rigoler. Ah, vous voyez, déjà, là, comme ça, hein. Déjà, ça me rappelle... Les palmes du grand-père, je savais bien que vous avez rangé quelque part. Tenez, attention, c'est un prêt, hein. Vous avez un chèque de caution, c'est 1 euro. Ou qui? Ça vous rappelle qui? Vous cherchez quelqu'un? Sa fille, Thelma. Alma. C'est ce que je viens de dire. Elle a disparu. Vous savez quoi, le sol? Vous avez frappé la bonne porte. Vous allez passer la nuit ici, on va reprendre ce dessin, et demain, on se retrouve au poste pour démarrer l'enquête.
J'ai sauvé le frère, j'ouvrais la pire. J'ai sauvé le père, j'ouvrais la pire. Voilà, bien. Mais... Jean-René. Quoi? C'est Jean-René. Comment ça? Je le sens. Le type du portrait? Mmh. Ah non, 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 rien à voir, non, non, non. Tenez, la plus belle. C'est la 127. Avec vue sur la rue. Quand vous arrivez sur le palier, il y a trois portes. Sur la droite, c'est la deuxième. On a repris votre petit croquis dégueulasse et on a précisé tout ça. Ça correspond-il? Ça n'a rien à voir. Non. Si ça correspond pas, vous dites non. C'est pas compliqué. Je suis surtout perdu le sol. Faut vous reprendre, hein. C'est pas comme ça que vous allez retrouver votre fille. Bref, donc ça ne correspond pas. Celui-ci. Ça correspond-il ou ça ne correspond-il pas? Ça correspond-il? Oui, ça correspond. Énormément même. Qui a fait ce dessin? C'est Marco. Évidemment, le premier dessin, c'est moi. Ça correspond pas. De toute façon, ça a toujours été le préféré. Non, mais c'est une machine à coudre. Mais bien sûr que c'est une machine à coudre. Je sais, merci, c'est moi qui l'ai dessiné. Bon. J'ai convoqué tous les suspects calçonnés correspondant au portrait. Calçonnés? Calçonnés, calcitoites, c'est les habitants de Choulkek. Bon, on peut avancer? Vous allez tout le temps comme ça interagir ou pas? Merci. Ils sont actuellement dans une pièce située derrière ce rideau, qui cache une vitre. Pas d'inquiétude, c'est une vitre sans teint. Donc ils ne peuvent pas vous voir. Enfin là, il y a le rideau, donc ils ne peuvent pas voir de toute façon. Et non plus d'ailleurs, n'essayez pas. Mais quand j'ouvrirai le rideau, on les verra. Mais pas eux. Alors qu'il n'y a pas de rideau de leur côté. Donc on pourrait croire qu'ils pourraient voir. Enfin, quand j'ouvrirai le rideau. Parce que là, on voit rien. Enfin, pas encore, vu qu'il y a le rideau. Parce qu'il faut que je... Quand il y a le rideau, on voit rien. Quand j'ouvre le rideau, on y voit. Enfin, nous, mais eux n'y voient pas. Bon, bref, ça va? Je peux ouvrir le rideau? Vous êtes prêts? Oui, je vous en supplie, oui. Merci. Alors. Mais... Chut. Pas de précipitation, pas de conclusion hâtive. Non, mais... Prenez votre temps pour m'indiquer le violeur. Non, j'ai jamais parlé de viol. Son agresseur. Ni d'agression. Stockholm. Quoi? Vous êtes amoureux du preneur d'otages, c'est typique. Hein? Non, mais stop là, attendez, bon. c'est n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez m'indiquer votre ami? C'est pas mon... Oui, bah votre compagnon, si vous préférez. Ça me gêne pas, j'ai pas de soucis avec ça, attention. Bon, on voit rien là. Comment ça, on voit rien? Bien sûr que si, c'est une vie... Ah oui, d'accord, il faut allumer, bah ça va, voilà. Tadam. Pardon. Allô? Allez-y, vous pouvez y aller, ils entendent rien. Peut-être un petit peu. Bon. Alors c'est lequel? Bah, je sais pas, là c'est carrément des triplés. Quadruplés? Trois, des triplés? Non, quatre, ils sont quatre, c'est les frères Crow. Non, trois pareils, un petit chauve. Jean-René? Le petit chauve c'est Jean-René, c'est l'aîné. C'est lui votre agresseur? On cherche pas mon agresseur, et puis non, c'est sûr, c'est pas lui. Vous êtes sûr que c'est pas Jean-René? Certain. Et les autres? Ça peut être le 1, le 2, le 3. Et le 5? Vous en pensez quoi, du 5? Quoi, le 5? Le 5 et un 5. Bah non, c'est une machine à coudre. Et alors? Non mais quelle mentalité! Bien sûr que c'est une machine à coudre! Ça vous empêche pas d'avoir un minimum de considération! Et puis, vous pourriez avoir un petit mot pour la ressemblance avec mon dessin! Mais non, évidemment, il y en a toujours que pour Marco, qui a encore décidé une personne! Non, mais c'est pas ça, mais... Si c'est ça! Si c'est ça! Bon, avance.
Non, mais c'est là. Allez, c'est bon. Marco! Allez, vas-y, Sherlock, donne-nous ta version des faits. Voilà ce que j'ai trouvé en fouillant la chambre de Le Sol. Quoi? Vous avez pas le droit, c'est... Chut! Le Sol, vous avez voulu sa version? Maintenant, laissez-le finir. Merci. Ici, Lucas Le Sol avec sa fille. Tout va bien. Quand soudain, c'est la dispute. C'est pas une dispute, c'est du coup, Alma fuit avec un homme. Jaloux, Le Sol le tue. N'importe quoi. Alma, découvrant que son père est l'assassin, l'accuse. Et là, en fait, il la séquestre. Séquestre. Il la séquestre. Donc, vous l'aurez compris, le coupable, il n'y en a qu'un. Et il est dans cette pièce, c'est Le Sol. Vous plaisantez? Et je parle pas du carrelage, mais bien de vous, Lucas Le Sol. Non mais vous êtes taré! Lucas Le Sol. Columbo. Enfin, c'est comme Columbo. Le tueur est le témoin principal, et le témoin principal, c'est vous. Le Sol. L'unique, Lucas Le Sol. L'unique, Lucas, Lucas Le Sol. L'unique, Lucas, Lucas Le Sol. Marco menotte Lucas, Lucas Le Sol. L'unique, Lucas, Lucas Le Sol. L'unique, Lucas Le Sol. Marco menotte Lucas Le Sol. L'unique, Lucas Le Sol. Marco Le Sol menotte Lucas Le Sol. L'unique, Lucas, Lucas Le Sol. Marco menotte le... Ça, l'unique, Lucas Le Sol. Marco menotte, Marco menotte le... Je te demande de le menotter, c'est ça que je dis. Ok. Bah ouais, mais... Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Si vous n'avez pas d'anorak, il vous sera vernicre. Le Sol! Arrêtez! Oh ho, t'es fait comme un rat Le Sol. T'es fait comme un rat, fait comme un rat Le Sol. Oh, t'es fait comme un rat Le Sol. T'es fait comme un rat Le Sol. C'est bon là, donnez-moi ça. Là, la tâche là. T'es fait comme un rat. On dirait celle du début. Et en même temps, t'es pris au piège mon coco. Ça a peut-être été plus... Non? Qu'est-ce qu'on pensait? Mais vous vous rendez pas compte de ce qu'on a sous les yeux, là? Oh si... Oh si, je me rends compte. Je suis un héros. Oh la classe. Regardez! Là! C'est la même! Ah, c'est vrai qu'elle ressemble vachement à votre fille, là. C'est sa sœur? Mais non, mais c'est ma fille! Je vous parle de la tache dans son cou, là. C'est la même que celle du gars, là. Jean-René? Il a pas de tache, Jean-René. Non, il a une moustache, il est chaud. Vous vous rappelez ou pas? Mais qu'est-ce que vous avez contre ce monsieur, là, Jean-René? Chaque fois qu'il y a un problème, c'est Jean-René. C'est comme ça, c'est pas nous. Là. Attendez. Laissez la suite, parce que si vous laissez la suite, on va peut-être voir où il s'est planqué. Mais oui. Ouais. Et puis on va revoir ma scène. Ah! Oh ho! T'es fait comme un rat Le Sol. T'es fait comme un drap. Non, un rat. Comme un drap. Un rat. N'importe quoi. Si. Non. Si, c'est un rat. Et en plus, je viens de le dire. Comme par hasard, tu l'as déjà dit. Oh, qu'est-ce que...
Excusez-moi, je croyais qu'il y avait personne. Je repasserai plus tard. Oh, la tête que vous avez, là. Oh, vous savez que vous êtes drôle, vous. Enfin, je veux dire, physiquement, quoi. C'est vrai, hein. Il y a un truc, hein. Il y a un truc comique, quoi. Attendez. T'es pris en piège, mon petit père. Le saut est bien. La réplique, moins. Hmm. Mais là, c'est maintenant. Je me sens pas très bien. Hallucinant. Oh. Chef Shepherd, pour vous servir. Oh, la classe. Envoyez-moi ça, la balistique. Mais forcément, un truc. Ils arrivent de partout. Attention derrière vous! Là! Un cercueil! Dites à ma femme que je l'aime et donnez-lui cette montre. Elle appartient à mon père qui m'a pris de son père qui m'a dit. Stop! Ma fille a disparu, vous l'entendez ça? Elle est peut-être enfermée avec un taré là! Alors on vous allez arrêter de vous prendre pour je sais pas qui! On va oublier ce truc là! Stop! Et on va trouver d'où viennent ces paillettes! Les paillettes? Elles viennent de la grotte pailletée. C'est ici à Choulquet qu'on a une grotte avec des paillettes, on appelle ça la grotte pailletée, quoi. Pour ça. Et ça ressemble vachement aux paillettes que votre fille a sur le visage. On y va! Oh bah regardez, c'est ça, on y est là! C'est ça la grotte pailletée! On s'en fout, emmenez-moi là-bas! Non mais y a pas besoin d'y aller, je vous dis, vous écoutez rien. On y est, je vous dis, on y est déjà, regardez, c'est là la grotte pailletée, on voit, y a la grotte, y a les paillettes, c'est ça. Suis-moi! Ta gueule! On est nulle part! On est là! Alors maintenant, vous allez venir avec moi et me montrer chez moi, de Dieu! Maintenant! Pas en quoi, vous êtes fous! C'est dingue, ça! Oh! Vous voyez, on y est, je vous le dis depuis tout à l'heure, vous. Maintenant, on arrête de jouer chez père. Vous êtes pas crédible, mon vieux! Ah, le sol. Allez! Venez voir la fin avec moi. Ça va pas, c'est complètement con. Chez moi, nom de Dieu. Montrez-moi cette grotte. Elle est là, la grotte. Thank you.
Bah vous voyez, on l'a retrouvé. C'est fini le sol. On l'a retrouvé. Faut aller dans cette grotte. Bravo frérot, j'ai tout vu, t'es un héros. Fiesta! Bravo! J'ai fait des bookings pour le retour de la gamine. Champagne! Je te retrouvais, ma fille. Mais c'est fini! C'est fini, Lucas. Arrête! C'est fini? Ah bah oui, c'est fini, c'est même presque la fin du générique, là. Quoi? Ah oui? Le générique, regardez, c'est les remerciements.